Ronsard est le numéro 3 français de l'abattage et de la transformation de produits de volaille. Depuis 2013, l'entreprise a réalisé plusieurs investissements énergétiques. En 2015, elle a fait certifier son système de management de l'énergie ISO 50001. Le site de Bignan, dans le Morbihan, a bénéficié d'un investissement de 2 millions d'euros. Les travaux ont concerné la production de froid, la compression de l'air et la production de chaleur. Ronsard a mis en place une récupération de chaleur des groupes froids pour la production d'eau chaude sanitaire, un dispositif de variation de vitesse sur les compresseurs froids et air comprimé afin d'optimiser la consommation électrique, et enfin un système de régulation de la haute pression du circuit frigorifique pour adapter la production de froid. Les investissements ont également porté sur la maintenance avec la réfection des isolations, l'automatisation et la fermeture des portes et le changement des brûleurs de chaudières. D'autre part, les salariés ont été impliqués dans la mise en place de bonnes pratiques comme la fermeture des portes et de la lumière, l'arrêt des lignes ou encore l'éco-conduite. Résultat, Ronsard a obtenu une baisse de la consommation en gaz de 22% par rapport à 2013 et de 3,5% sur la consommation électrique. Objectif pour la suite, déployer ses investissements sur 3 autres sites, dans l'Ain, dans le Morbihan et en Île-de-France.